Bonjour à toutes. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et vous n'avez toujours pas d'idée de tenue pour la soirée du réveillon. Pas de panique, je vais vous donner quelques idées pour trouver celle qui conviendra parfaitement à votre style. Si vous n'êtes pas vraiment du genre à porter des paillettes, mais que vous avez tout de même envie d'un look festif, vous pouvez opter pour un haut de couleur dorée qui conviendra aussi bien aux brunes qu'aux blondes. Vous pouvez assortir ce top, par exemple, à un joli pantalon noir ample qui affinera votre taille et vous serez à l'aise pour danser toute la nuit. Vous êtes de celles qui aiment jouer de leur féminité? Pas de soucis, j'ai le look qu'il vous faut. Un legging à sequins pour le côté festif, associé à un top en voile, sobre mais très élégant. Vous mettrez ainsi en valeur votre jolie silhouette. Avec cette tenue, portez de superbes chaussures à talons et vous serez au top, glamour et moderne. Pour les plus sophistiqués d'entre vous, c'est l'occasion de porter la jolie robe noire en dentelle. Associez-la avec vos plus beaux escarpins pour un style très élégant et pourquoi pas une jolie pochette pailletée qui est pour moi un gros coup de cœur de cette collection. Vous pouvez aussi porter un cardigan brillant par-dessus mais en le laissant ouvert pour laisser apparaître le col V de la robe. Vous aimez être un peu décalé? Il vous suffit d'une seule pièce pailletée comme cette jupe par exemple que vous pourrez assortir avec votre sweat noir favori. Vous pourrez ainsi garder le côté chaud et confortable pour toute la soirée. Pas envie de faire de chichi côté coiffure? Vous pouvez laisser vos cheveux détachés et apporter une touche de fun avec un bonnet par exemple. Et pour un côté encore plus rock, vous pouvez porter une paire de boots. Si vous aimez le glamour, c'est l'occasion de porter la robe patineuse. Son côté évasé cache les hanches et va parfaitement à celles qui ont de jolies jambes. On peut la porter avec des ballerines pour un côté sage ou avec des talons fins pour une allure plus sophistiquée. Et côté accessoire, vous pouvez prendre cette jolie pochette pour une allure chic. J'espère que tous mes conseils vous auront été utiles et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Quant à moi, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle chronique mode. À bientôt !